Ouais. Je devrais peut-être l'idée ça, justement. Puis, justement, mon studio que je voudrais faire, qui est aussi en même temps une compagnie de production que j'aurais, mais que ce studio-là, je pourrais le faire pour une grande communauté de podcasteurs, ça pourrait être une très bonne idée, je pense. Anyway, tout ça pour dire que, hein, on devrait commencer mardi. Ouais, vas-y, vas-y. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Salut Chuck. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis super content de vous recevoir parce qu'on a un invité que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour. Et c'est un ami en plus. Au-delà de tout ça, c'est ça que j'aime et que je connais depuis très longtemps. C'est Étienne Danneau. Merci d'être là. Yes! J'ai eu de la misère à me parker mardi matin, par exemple. Ouais? Oh. Ah, je suis désolé. C'est vrai que le parking, des fois, il y a de la place, des fois, il n'y en a pas, mais je suis content que tu en aies trouvé une lundi. Ouais, lundi, ouais, ça a bien été. Merci. Je suis juste pointé, c'était facile, j'étais là. Ouais. Merci d'être là, je suis avec Nick. Allô, Chuck. Et Émilie. Allô. Hé, hey, le petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du mardi, choix à faire. Trouverez le vrai amour ou un sac avec 5 millions de dollars dedans? mettons que c'est pas déjà fait, avoir trouvé le vrai amour. Mettons que t'es célibataire. Ouais, c'est ça, t'es célibataire, tu pars de célibataire. Combien d'argent? 5 millions. Honnêtement, au début, je dirais amour. Mais. À voir c'est comment ça se passe, peut-être que je prendrais l'argent et m'en achèterais un. Sinon, mais voyons donc. Oh. T'achèterais un chum. J'aurais mis le sac de violence si j'avais eu de l'air. Je suis en amour avec l'humour. Je prends le sac d'argent puis je me casse plus la tête avec mes loyers. C'est bon, ça. Tu vis de tes passions. C'est ma passion. Tu vis ta passion. Tu remplaces ton loyer par une hypothèque, là, par exemple. Mais là. C'est une bonne question parce que. Fuck l'hypothèque, tu t'achètes une maison cash. Ouais. Faut que tu saches ce que tu veux. À 5 millions. Et à la base, là, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui trouvent le vrai amour? C'est tough de trouver le vrai amour. Le vrai, vrai grand amour éternel qui reste là. Ouais, c'est ça, t'as rien que 10 minutes, là. Ouais, c'est vrai. C'est très philosophique. Il y a toutes sortes d'amour, tu sais. Il y a toutes sortes d'amour. Ça peut durer un mois, comme ça peut durer 10 ans, on sait jamais. Ouais, on sait pas. Ça va donner un reflet de la société si on répond tout le sac de 5 millions. Je pense que oui. Je pense que ça va montrer notre. Il y a le montant aussi, là. Si t'avais mis 5 millions. Tu sais, je sais pas, 100 000, mettons. 100 000, non. 100 000, non. Ça rendrait le vrai amour, absolument. De célibataire, là, de 0 à 100. Est-ce que tu peux faire avec 5 millions, par exemple, c'est ta job à temps plein, c'est de te trouver le vrai amour. Ah, ben oui. Ouais, ouais. Tu peux faire ça parce que là, t'as pas de soucis. Mais quand t'as 5 millions, tu t'as garanti le fait que tu ne trouveras jamais. Ah, ben là, t'inventes des règlements au fur et à mesure. Non, c'est un choix ou l'autre, là. T'as 5 millions, tu trouves jamais le grand amour. Ah, ou tu trouves, on te le donne. Ah, le grand amour, on te l'offre sur un plateau d'argent. Le grand amour, c'est facile. Tu l'as et ça va être ton grand amour éternel. Je prends quand même l'argent. Mais parce que là, non, mais attends, en ce moment, les blagues que je fais, c'est du fait que je trouve pas l'amour. Si je trouve, je vais faire des jokes de couple, peut-être. Je trouverais tout le temps des jokes pareils, mais. Non, mais ça, t'es plus intelligente que ça, tu trouverais des idées pareilles. Ben oui, c'est pas grave si tu décides de lâcher soudainement toutes tes blagues de c'est difficile de trouver un chum à moi, mon chum, là. C'est de la merde, ça. Moi, je connais une humoriste très populaire, là, que je nommerai pas, là, qui sort avec un autre humoriste, mais qu'elle veut pas dire qu'elle sort avec cet humoriste-là. Yes, on le sait tous. Parce qu'elle dit que dans son one-man show, elle parle qu'elle est célibataire. Hey, on est assez intelligent, Calis, pour catcher esti dans notre tête. Ouais. Tu sais, Lise Dion, là, faisait un one-man show. Là. Lise Dion faisait un one-man show, puis elle disait mon Marcel. Ouais. Elle disait tout le temps ça. Mais Chris, son chum, il s'appelait pas Marcel, puis elle avait pris des photos dans le séjour avec esti. Absolument. Tu voyais dans le séjour qu'il s'appelait pas Marcel, tabarnak. Mais le monde dans lequel on vit a changé entre Lise Dion et la personne dont tu parles. c'est son but. Tu sais, qu'est-ce qui m'énerve le plus, c'est que là, on va avoir des commentaires, là. Juste de monde qui vont faire comme c'est qui. Hey, là, là. C'est, on va le dire, là. Non, c'est Martin. Moi, je prends 5 Racine. Millions. 5 millions. C'est pas vrai. Moi, tout, je prends 5 millions. 5 millions, toi aussi? Ouais, je prends 5 millions. Hey, là, là. Ouais. Je suis rendu à un certain âge que fuck off, là, si on passe une dérape, on fait le tour du monde. Parfait, d'accord. C'est une façon de voir les choses. Moi, 5 millions ou le grand amour, je vais prendre le grand amour. Je pense que ça va être le fun parce que au-delà de ça, je suis un lover, moi, c'est ce qui se passe. Le grand amour, puis tu sais, je veux dire, ton argent, tu vas le faire toi-même, le crime. Avec ton travail, puis avec ta passion, puis avec ce que t'aimes faire dans la vie, tu sais, puis que t'as pas besoin de 5 millions. Si tu veux faire des voyages, tu peux faire de l'argent, puis faire des voyages. C'est pas compliqué. Ouais. C'est plus facile. Tant le sexe que ça. Oh!
Non, mais c'est parce que tu dis, tu sais, avec 5 millions, là, tu sais, ouais. comme tu l'as dit toi-même, tu peux creuser, tu peux chercher l'amour toute ta vie. Oh, exact. Tu peux chercher l'amour toute ta vie, pas le trouver, puis être heureux pareil ouais, dans toutes ces rencontres. En effet, ça, c'est beau, ça. En effet, t'es tout le temps sur le bord de le trouver, tu sais, tandis que si tu trouves, t'es blasé. Mais à un moment donné, ben, non, justement, le grand amour, t'es pas supposé avoir cette affaire-là. T'es supposé faire comme, hein, je serais bien que cette personne-là, jusqu'à temps que je meure, c'est une personne qui est mon complice, mon ami, blablabla, tout ça, mais ça, au-delà de ça, tu t'annes pas, justement. Non, mais ce que Nick, il dit, c'est, tu sais, un peu comme le principe du bonheur, là. Ouais. Tu sais, tu cherches le bonheur toute ta vie, puis c'est ça, le principe du bonheur, c'est de tout le temps évoluer là-dedans. Puis là, Chuck, il dit, pas Chuck, mais Nick, il dit un peu le même principe, tu cherches toujours l'amour, puis là, ta quête de vie est de chercher l'amour, mais tu sais que tu le trouveras pas parce que ton esti de règlement s'est rajouté. Hein, je l'ai rajouté, mon esti de règlement, je suis bien fier de ça. Puis là, Nick, à de l'allure, ce qu'il trouve, je suis encore plus fier d'avoir 5 millions avec lui. Mais tu sais, tu cours, tu sais, c'est les lunes de miel, là, les débuts de relation, c'est un peu ça, tu sais, sans que ça soit le grand amour à chaque fois, tu peux Tu fourres en masse. Mais ouais, non, mais l'argent, c'est sûr, à cause de tout ce que j'ai envie de réaliser, de faire dans la vie, c'est, ça passe par l'argent. Hey, puis tu cherches l'amour dans plein de pays que c'était cash-là. Si vous êtes matérialiste, pour vrai, là, je savais pas que j'étais avec une gang de matérialistes comme disons. C'est pas matérialiste dans le but d'être riche pour accumuler des trucs ou faire ce que je veux, c'est faire ce que je veux dans le but d'influer dans le des capitaliste, autres, change mon mot. Vous êtes une gang de capitalistes finis sales. Exactement. Ouais. Non, moi, je pense que je suis le seul qui est romantique entre vous quatre. Là, c'est juste ça que je dis, là. La semaine passée, j'aurais peut-être dit l'amour, là, mais là. Prends le cash. Quand il arrive l'amour, hein, écrime. Je veux que ça soit l'amour infini. Fait qu'on dira à Sarah qu'elle a fait vœu de pauvreté avec toi. Exactement. Elle sera pauvre jusqu'à la fin des temps. Donc, il est avec le deuxième sujet. Juste avant, j'aimerais remercier les gens qui prennent le temps d'aller sur iTunes et de laisser 5 étoiles. En plus, check. Mais là, personne va voir, mais mon chandail, c'est... Love is enough. Ah, love is enough. Ben ouais. Ton chandail, il se contredit. Voilà, exactement. Tu te contredis beaucoup dans tes choix vestimentaires et dans tes idées. C'est juste parce qu'il y avait un truc de Noël. Ouais, ben écoute, bref, si vous aimez Le Petit Bonheur parce que Love is enough, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles si ce n'est pas encore fait. Et on remercie les gens qui le font déjà. Vous allez sur la description du podcast et vous cliquez sur iTunes, aussi simple que ça. Puis vous laissez 5 étoiles. Ça nous aide dans le référencement. Ça nous aide dans nous placer parmi les autres podcasts du monde. Deuxième et dernier sujet. Une chose que tu ne voudrais jamais qu'il change. Et bon, la là, question... c'est Blitz, là? Non, c'est pas Blitz, on a le temps. Okay. Une chose que tu ne voudrais jamais qu'il change, et ça, évidemment, c'est en référence avec la phrase « dans mon temps ». Tu sais, dans le temps, on était nostalgique du bon vieux temps, de telle manière, de comment on se comportait d'une façon ou d'une autre, d'une chose qu'on aime bien faire, que ce soit quelque chose de très tangible, quelque chose qui est comme une action que tu fais à tous les jours, ou quelque chose que tu fais depuis... Un phénomène qui existe depuis que t'es jeune, puis que tu voudrais jamais qu'il change. Est-ce qu'il y a quelque chose, d'après vous, qui change jamais, là? Peu importe, depuis que vous êtes tout petit jusqu'à temps que vous soyez, vous creviez, dans le fond. Hein? Hey, c'est une bonne question. Patrice Lécuyer qui anime des quiz. Oh oui! Attends, il ne peut pas mourir jusqu'à la fin. Ah non, c'est ça. Patrice Lécuyer est tellement juste sa coche tout le temps, il ne faut jamais qu'il change de Il est toujours à la télé depuis 20 ans. Ouais. Toujours. Ouais. Il n'y a jamais de pause d'été qui n'est pas là. Il est tout le temps ce gars-là est une machine. Comme plus que Nerucky, machine de télé bien huilée qui travaille à tous les années. Et voilà. Ouais. Moi, c'est ça que je pense que c'est une bonne idée. Réponse. C'est une maudite bonne idée. J'ai pensé à Patrice Lécuyer bien huilé. Moi, c'est Patrice Lécuyer bien huilé. C'est ça ma réponse. Ça change jamais, Patrice Lécuyer bien huilé. Puis qui ramène le détecteur des mensonges. C'était bon, cette émission-là. Ouais. Moi, j'ai rencontré des gens. Tu sais, rencontrer des personnes dans un café ou quoi que ce soit, tu sais. Puis tu sais, il y a des présents. En personne, tu veux dire. En personne, tu sais. Pas jaser. Pas Tinder, là. Pas Tinder, tu sais. Mais Tinder, justement, c'est une espèce de moyen qui te permet de rencontrer rapidement du monde, mais juste la conversation de base. C'est le McDo des rencontres. C'est du fast-food, là, vraiment. Le fast-food du sexe aussi. Mais tu rencontres quelqu'un face à face, puis tu jases avec, t'as des conversations profondes. Ça, faudrait jamais que ça change. Je sais pas quelle technologie pourrait éventuellement changer ce genre de truc-là, mais je voudrais jamais qu'à un moment donné, je dise dans mon temps, j'ai rencontré quelqu'un dans un café. Je voudrais que ça reste quelque chose. Mais je sais bien, mais au moins juste comme m'assurer que ce genre de contact-là et de rencontre-là et d'échange-là, ça se perpétue et que ça n'arrête jamais. Voilà. C'est beau. C'est beau. Mm-hmm. C'est beau. Le gars qui a choisi l'amour. Hey, écoute, ça va bien. Non, mais c'est vrai, j'avoue, j'y ai pensé avant que tu le dises. Tu l'as dit aussi? Mais là,
Là, avec la réponse d'Étienne, j'ai le goût de... En tout cas, genre... Patrice, Noël, c'est vrai que c'est une bonne réponse. Noël. Noël, tu voudrais pas que ça change? Jamais que ça arrête. Non, que ça arrête, mais est-ce que tu voudrais que ça change, que ça change pas aussi? C'est-à-dire que tu veux vivre le même Noël chaque année. Ah, OK, non. Les mêmes traditions. Ciné cadeau. Ouais, mais j'adore les traditions. Bon, c'est correct. Les petites routines de Noël. Ça marche la réponse. Noël, ben oui, absolument. Noël et ses traditions. Noël et ses traditions. Ben oui. Et j'avoue que j'ai déjà commencé à écouter des chansons de Noël. Ah, t'es déjà là, hein? Ouais, ouais, je suis une fan finie de Noël. C'est correct, parce que l'émission joue en début décembre. Donc ça file. Ça marche. T'es timé. C'est bon, si on aime ça, t'es timé. Les décorations de parc sont presque sorties. Toi, Nick, les salons de l'auto? Non, moi, ça serait l'accessibilité universelle à la musique que je voudrais jamais qu'il change. J'ai peur que les compagnies ou que les systèmes deviennent de plus en plus rigides puis briment un peu l'accès, comme je dis, universel à la musique. En ce moment, je pense qu'on a un petit peu dépassé cette... ça dépend comment tu le vois. Si t'es un consommateur qui paye, on est dans l'âge d'or de l'accessibilité de la musique. Totalement. Si t'es un consommateur qui download ou qui utilise tous les moyens... gratis. Oui, mais... possible, tout ce qui existe Napster. Pour accéder à la musique. Ouais, parce que t'as le bon vieux temps. Moi, je suis DJ, donc je me dédouane de downloader la musique parce que je la fais jouer, je la diffuse, je la fais connaître à d'autres, cette musique-là. Tu sais, je la collectionne pas que pour mon intérêt personnel, je la partage, je la fais vivre. Mais seras-tu DJ dans 40 ans? Je sais pas, mais je souhaite quand même avoir... Oui, je souhaite qu'il y ait d'autres DJ, mais je souhaite que cette accessibilité-là continue, tu sais. Parce que, mettons, moi, je travaille, je cherche des mashups, là, c'est mon genre de musique préféré, puis il y a des mashups de pré-2007 qui sont disparus, où je dois contacter les personnes directement pour leur dire « Hey! » Ouais, c'est vrai, c'est tu parce que là, ça fait 2 heures de temps que je passe sur Internet. Ouais. J'ai tout essayé, les mots-clés, j'ai cherché, là, j'ai commencé après 10 ans, là, j'ai quand même pas pire, même 15 ans de recherche Internet, là, j'ai même pas pire de trucs pour trouver la musique. T'es bien huilé. Ouais, je suis bien huilé, mais j'ai aussi des techniques pour aller chercher des tunes où ce que je peux pas les downloader, tu sais. Je vais les enregistrer. Je les fais jouer sur mon ordi, puis pendant 3 minutes, je touche à rien parce que j'enregistre le output. C'est ma seule façon d'avoir la chanson, mais au moins, j'ai ce moyen-là, mais j'ai peur qu'on protège tellement les droits d'auteur à un moment donné ou qu'il y ait des parce que je pense pas que Spotify est éternel sur son plan. Non, il l'est pas. Je pense pas que c'est un modèle qui va être là éternel. Je pense pas que ça va continuer comme ça, qu'on va pouvoir accéder à toute la musique du monde pour aussi peu cher, aussi longtemps. Ça me surprendrait que ça continue. Mais en fait, et ça, c'est un esti de débat qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y a des groupes de musique qui ne veulent pas changer leur mentalité. Mais tu sais, dans le temps, là, ils sortaient des tunes à radio gratuite, parce que la radio était gratuite. Il y avait des pubs, mais pareil. Puis là, le but, c'est que t'écoutais cette tune-là, puis là, tu disais, hey, moi, j'ai le goût d'acheter leur album. Puis là, les groupes de musique faisaient de l'argent avec les albums. Il y en a encore qui en font un peu, là, mais c'est vrai, ils sont plus minimes. Mais à Star, sors des albums, calisse-toi de faire de l'argent avec ton album, arrange-toi qu'il soit le plus écouté possible, puis tu vas vendre des tickets de show. C'est là où la mentalité, je pense, de musique est plus, tu sais. Ouais. Mais là, rendu là, est-ce que ça va changer la manière comment on consomme la musique? C'est une très, très bonne idée. Puis quand tu me parlais de l'accessibilité à la musique pour aussi peu cher, moi, je pensais juste au livre 1984, où est-ce qu'on bannissait les livres, puis on les restreignait, l'accès, parce qu'on voulait pas que, justement, la lecture puis le savoir au-delà de ça se répande. Mais j'ai l'impression que je pense pas qu'on va être rendu dans un monde utopiste comme 1984 pour la musique, où justement, on va restreindre les droits de la musique, mais effectivement que, par exemple, la boîte de production Sony décide de juste mettre ses artistes et de les enlever de Spotify, et là que tu ailles à payer pour ce service-là d'écoute de musique continue de Sony, et après ça que Warner avec Interscope puis toutes les maisons de disques se rejoignent ensemble, puis que là finalement tu te mets à payer pour différentes boîtes de musique vont offrir chacun leurs artistes et que ça devienne plus cher que finalement un Spotify ou un iTunes Music te permet présentement de le faire. Mais si les États-Unis ferment l'Internet libre tel qu'on le connaît puis décident de surveiller ce que les gens download, transigent, ça veut dire que tous les serveurs ou partout ce que la musique est sur les serveurs ne pourrait plus sortir. Ou il y aurait plus de peer-to-peer, de download d'une personne à l'autre. On pourrait plus parce que le fichier serait intercepté à mi-chemin. Ça me fait vraiment peur parce que les gens, ils réalisent pas, là, mais on est on the verge, là, que ça se passe tous les jours. On est sur le bord que ça se passe. En Chine, c'est déjà comme ça. Oui, mais attends, c'est un état totalitaire, c'est pas la même chose. Mais ici, on est vraiment, vraiment proche. Ça fait plus
ça fait des années là, ça fait presque 10 ans là qu'on parle de ça, puis que c'est des groupes de pression là, c'est pas les médias, c'est personne en parle dans la rue, personne en parle, tout le monde en parle, on n'en parle pas de ces choses là, mais c'est vraiment grave là, ça restreindrait la culture, puis plein de choses, ouais, c'est de l'invasion de la vie privée aussi, absolument, si de transiger des fichiers entre deux personnes, ça devrait être privé comme envoyer une lettre, puis ce ne serait plus sur l'internet. Puis moi, je souhaite ne pas perdre ça. Mais il y a des technologies comme par exemple les blockchains qui, au-delà d'être pour la crypto-monnaie, va permettre aussi d'échanger des fichiers d'une manière unique et d'une place d'une personne à l'autre à travers le monde. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir un moyen, grâce à l'internet, de communiquer d'une place à l'autre, d'une personne à l'autre, et d'échanger les fichiers d'une personne à l'autre. C'est juste qu'on va devoir, ça va être beaucoup de contourner des affaires. Des VPN vont être jamais autant plus populaires que jamais. Ça va être c'est un peu compliqué là, je pense, pour les gens. Oui, pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais, monsieur, c'est que l'internet va être moins libre. C'est passante là. Mais je pense que au-delà de ça, t'as raison. Je pense que l'internet, comme on le connaît présentement, j'espère qu'il ne changera jamais. Qu'il ne sera jamais, qu'il va jamais avoir plus de règlements qu'on reste le Far West. Exact. Qu'il reste le Far West. Ouais. Parce que l'Internet est awesome comme il est présentement. Il était encore plus il y a 10 ans, je pense. Mais je pense que c'était. Ouais. J'espère que pour vrai, l'Internet ne changera jamais de manière drastique. La liberté, là. Et avoir la liberté d'aller là-dessus et de faire n'importe quoi, de tomber sur n'importe quoi. Et que, à un moment donné, t'ailles pas un groupe de madame enragée qui est tellement enragée parce qu'ils ont vu une image qui marche pas bien, qu'à cause de ça, ça bloque une grosse partie de l'Internet et de la liberté d'expression. Ouais. Parce que c'est ça qui peut arriver. Oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi la charte des valeurs, là, la charte des droits et libertés. Ah, tout à fait. Il y a plusieurs conventions. Mais tu sais, je veux dire, on voit déjà le code de conduite qu'ils veulent essayer d'imposer au CRTC, là. Ils demandent au CRTC voir s'il y a peut-être un code de conduite qu'on devrait adopter sur Internet. Mais ça peut être très dangereux, là, parce que tu peux restreindre beaucoup la liberté de parole avec ça, là. Oui, mais ça. Anyway, ça fait peur. C'est ça que je veux dire. Ah, Emily. Mais on est allé au bout. C'était ça mon point, c'est qu'on est allé au bout aussi. T'es allé au bout de ton point. Ouais, tout à fait. Je peux-tu en rajouter un? On a pas le temps. Ben vas-y. Hey, moi, j'aimerais ça que Daniel Grenier ait toujours autant de plaisir comme il y en a en ce moment sur scène, parce que c'est trop le fun d'écouter. Quand il arrive sur scène, il dit rien, puis t'es déjà pas mal ses lèvres. Ben, comme, on espère. Qu'est-ce qu'il va sortir de sa valise? On espère. Ça, je veux que ça continue tout le temps. On espère que Daniel Grenier. On espère que Daniel. Es-tu déjà venu au petit bonheur? Oui, il est venu une fois. Ouais, au-delà de Daniel, on espère que toi, Étienne, tu vas jamais me manquer de fun à faire des shows puis à faire du monde. Par exemple. T'as pas de valise, mais. Des fois, je me la demande. Tu sais, je veux dire que t'as encore le goût de faire des jokes à 70 ans. Hein? Peut-être parce que je suis obligé, parce que j'ai pas mis assez de REER. Peut-être. T'as pas trouvé cette fameuse valise avec 5 millions dedans. Exact. T'as autant de fun, ça pourrait être. Oui. Je suis d'accord, t'es fin. J'espère, pour vrai. Mais dans le genre d'humour que tu fais, t'as du jus là, pour longtemps. C'est vrai? Tu as de l'observation, tu racontes des trucs, t'en auras pour toujours. J'ai le goût de... J'ai fait beaucoup de travail sur ma personne dernière année. J'ai le goût de m'impliquer plus dans mon texte, c'est-à-dire mettre plus mes gosses à la table dans mes prochains textes. Que ça soit plus vrai. Exactement. D'ailleurs, ce serait mon sujet, ce serait la vérité. Ah ouais? Ouais. Je pense que... Sans tabou. Il y a beaucoup d'humoristes qui vendent leur show de même. Pas la vérité, genre... « Hey, je te jure, c'est vrai mon anecdote. Ouais. » La vérité sur... Je vais te donner un exemple. Mettons, c'est vraiment... Je ne vais pas embarquer dans 8000 patentes parce que l'émission achève. Mais exemple, mettons, tu sais, quand tu achètes une maison ou un condo, le prix qui est affiché, c'est jamais le prix que la personne veut le vendre pour vrai. On est dans une société de mensonges pareil. Ouais. Pourquoi je remplirais une offre d'achat que là, toi, tu me dirais, OK, il demande 200 000. Ça veut dire qu'il est prêt à le laisser aller à 185. Fait que je vais demander 175. Après ça, il va me dire 190. On finit par s'entendre à 185. Ouais. Pourquoi on a perdu 5 jours de notre hostie de vie quand t'aurais pu me dire en partant, check 185, final bâton. Parfait, c'est ça, je pensais. Tu sais, tu comprends? That's it. Tu veux-tu? Non, tu veux pas? Non, c'est fini. C'est pas une scène de plus, pas une scène de moins. Tu sais, genre, c'est tout le temps cette petite... On veut pas être coincé dans la fermeté. Je vends des trucs sur Kijiji, mettons. Là, t'sais, c'est la même affaire, ça vaut 50, je le mets 40, la personne dit je veux 30, mais pour vrai... Kijiji qui dit le vrai prix, calé. Je vais dire, ben pour vrai, non, j'ai mis 40 parce que... Il y a des gens, c'est prix ferme, puis ça reste prix ferme. Ouais. Puis ça, j'aime ça, parce qu'il y en a de plus en plus. Ben, il reste prix avec. On va terminer le show du mardi. Un beau jeu de mots pour terminer le show du mardi. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous autres. Merci, Nick. Merci, Chuck. Merci, Émilie. Plaisir. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour mercredi. Bye-bye.